Thank you.
Je connais un bon apprenti de moi, mais je vais aller aider le bon quand même. Ça, je dis qu'elle n'est pas branchée parce que nous ne pouvons pas oublier Saint-Étienne, ni Frère-Étienne. Oui, c'est toujours là-bas, tu as la map d'un deux, je ne vais pas rentrer. C'est vrai, ah oui, allez, on dit à tout le monde. Je suis vous, oui. Ah, ok, merci Saint-Nicole. Comment y est? Non, là, on a béni le nom de Dieu. Oui, oui. Ben oui. Avec Dieu, c'est notre aide. Avec Dieu, c'est notre aide, c'est ça. Oui. C'est ça. Allez, ok, mal écoute. C'est ça, Saint-Nicole, bon Dieu béni. Bon Dieu béni, nous tous. Oui, c'est ça. Alors, en tout temps, tu as dit parler de Saint-Étienne, de Saint-Nicole, un peu de Saint-Nicole et Étienne, pas Étienne, parce que Saint-Nicole et puis le voir des fois Étienne. Mais c'est toujours le même monde. Tu sais, la gare, vous êtes bonsoir. Au revoir. Ok. Gloire à Dieu. Tout le monde très bien dans nos ok, c'est ça, Herman, qui salue.
namaste. All right. Bon Dieu, merci, passez bonne journée. Bon bateau. Bon, comme l'évangile se dit.
pote wo yi. Bon Dieu sa map se fie, mi se yon gran avoka, ni pa yon pi avoka ma won, ni pa jan pe di kes ni. Se li kon ba justice, ni pa nan pa di bre, men seulement kwa nan li. Yes, kwa sa kon pa mwen, sa tan, mwen evoke yo. Thank you.
276-2250. Fax 215-276-2110. Docteur Jean Harold Fontaine. Il n'y a pas de douleur. Vive la santé. Thank you.
Thank you.
intervention de Dieu, si après maintenant on lui fait nos grâces, nous capables de gagner un bip. Et lui capable de choisir dans le monde ça pour nous capables de porter parole de hier. Un moment que nous gagnons pendant quelques minutes que nous gagnons pour nous partager ensemble, ensemble avec auditeurs et auditrices qui branchent dans la minute ça, nous allons prendre Bibou et ouvrir le psaume 50. C'est là que si pendant un moment que le CA fait maintenant, nous sommes capables de consulter quelques versets ensemble dans le psaume 50. Pour gloire, non, Seigneur. Gloire à Dieu. Seigneur, t'en prie, fais-nous grâce en bénis-nous. Et avec nous, pendant un moment qui a passé avec un auditeur et auditrice qui branche sur l'antenne, non, et côté, quel que soit ça qui va dire, est capable de servir nous une vitamine pour le corps. Gloire à Dieu, et dans le psaume 50, côté que nous avons parlé là aujourd'hui, nous dans le verset 22, il y a seulement 23 versets, je pense, seulement 23 versets, le psaume 50 gagne. Dans le psaume 50, les gars, si nous avons considéré verset 22 à 23, il dit prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu. De peur que je ne déchire sans que personne délivre. Si nous regardons dans le verset ça à côté de notre lien, nous voyons ici un reproche. Un reproche que l'Éternel, le psaume 50, c'est un psaume spécialement des reproches que l'Éternel porte avec, c'est pas avec un monde qui va connaître, non, avec un monde qui. On est bon Dieu, mais de toute façon, si j'ai à parler ou si j'ai à oublier tout, mais il parle spécialement des mondes qui connaît bon Dieu. On est guère en pile monde lorsque nous on dit reprocher, c'est surtout le psaume 50 ans, le psaume de Asaph a écrit. Asaph écrit, et côté, il dit l'Éternel convoquait la terre. Et convoquer la terre, il n'y a pas quitté rien là-dedans, ni pas depuis le soleil la levé, depuis côté soleil la privé, jusqu'à ce que côté soleil la couché. Et il reproché parce que il parle de beauté que vous avez, beauté parfaite, il parle de comment que tout bagaille allait bien, vous comprenez? Côté tout bagaille allait bien, un silence qui vient fait parmi le peuple là, que le peuple pas bon Dieu, il y a un silence qui vient fait. Et nous, chaque temps, il y a un silence qui fait toujours une réaction. Toujours une réaction qui fait. Chaque temps, il y a un silence qui fait une réaction qui fait. Et lorsque vous regardez, lorsque nous parlons de silence, c'est quelques dispositions, parfois, où vous gagnez en quelques zèles, ou bien pour faire un bagage pour, avec salut, ou ça pour ça, bon Dieu, faire vous-même, l'après passé, ou vous regardez, vous dites, quand même, il faut faire un bagage. Vous comprenez? Et puis, d'un coup, le silence qui fait, c'est comme si nous avions oublié tout le bagaille. Bien aimé, l'homme toujours a un sentiment ça, un sentiment oublié bagaille qui est bien pour le faire. Toujours a un sentiment ça, un sentiment oublié. Par exemple, on doit faire pour même la connaître, on dit bon, mon cher, mon ça va récompenser quand même. Et puis, parce que son bon bagaille, on pourra le faire pour récompenser, ou bien ça a toujours tendance à oublier, son faire, ça, soit à quoi faire. Eh bien, lorsque nous avons passé dans ce somme là, nous avons regardé, moi, ouais, que, côté que bon Dieu a convoqué le peuple là pour parler avec lui. Dans le verset 7 à 14, à 13, il dit tendez, peuple, je vais parler avec vous. Lorsque l'Éternel dit tendez, peuple, je vais parler avec vous, c'est avec moi-même, avec vous que vous pouvez parler. Il dit Israël m'a pas averti, m'a fait connaître. Il dit, je suis ton Dieu. Dans Esaïe, en 53, l'Éternel dit, l'Éternel, c'est mon Dieu. Tout le monde qui accepte Christ comme sauveur personnel dans la vie, ou qui prend disposition pour marcher avec Dieu, eh bien, Dieu, ça, c'est mon Dieu, parolé. Ça fait, il y a quelques bagailles où gagnons par acclamé, pour dire que c'est pas lié, parce que l'on garde en pile bagaille que l'homme. L'homme en prêté ou soit qu'il a acheté, soit que quelle que soit la condition, mais c'est prêté ou prêté. Par exemple, soit l'achète une machine neuf, ou l'achète une machine, et puis ou bail un pick-up, ou pas bail comme du tout,
mais on paye chaque mois, machine ça, n'importe quoi pas payer, il y a prendre la main. Parce que il y a un monde qui est en possession déjà. Soit son caille, n'importe quoi pas payer, car passer des trois mois pas payer, car là, il y a prendre la main, banque là, prendre la main, c'est banque là qui finance. Supposez même l'autre a fini de payer banque là net, bon, on a vu dans le pays ça, bon, on n'a pas rien dit tout là-dedans. Ça, c'est un bagage. T'es ou pas gagné du tout là-dedans. Même si tu as fait une paye car la net, même si tu as acheté car la cash, mais pour pas payer taxes, un an, deux ans, si on va ou chose trois ans, il y a pris la main. Alors, ça fait nous comprendre que on pas gagné, ou pas gagné tant que tu es capable de reprocher. Mais l'Éternel lui-même en reproché peuple là. Lui reproché peuple là. Qui est peuple? Bon Dieu, c'est bon Dieu là. Moi, je m'en vais vous. Il dit, reproche que l'Éternel voulait faire chrétien, je dis à moi et avec vous. Je dis c'est pour nous, premièrement, c'est pour nous la faire nous connaître que c'est bon Dieu, non. Et bien, demain, si c'est pas à l'Éternel qui est bon Dieu, moi et avec vous, nous, c'est fini, oui. Ah, nous, c'est fini. Parce que nous toujours dit que Satan, par contre, bah, chance. C'est tout souhait quelque chose où on va vivre dans notre monde, où on dort, où on lever, c'est tout simplement parce que c'est bon Dieu, c'est lui-même qui garde, c'est lui-même qui tout, c'est lui-même qui permet de dormir, que ou lever, parce que sans ça, que ou pas ta lever, on va la lever du tout. On va la lever. Et il dit comme ça que c'est pas pour sacrifice qu'on fait. Verset 8, il dit c'est pas pour sacrifice yo, qu'on fait. Qui m'a fait un reproche, parce que l'Éternel connaît des moments, moi et avec vous, il connaît nous faisons pile sacrifice. Quelqu'un qui fait pile sacrifice pour servir bon Dieu, bien aimé. Si tout le pays sait que la Bible n'a pas quitté le derrière, elle n'a pas parlé de sacrifice pour servir bon Dieu. Il y a quelques monde qui travaille 6 jours, il y a quelques monde qui travaille même 7 jours, même de façon que nous n'avons pas de possibilité, même pour venir un moment pour adorer bon Dieu. Mais c'est pendant l'intervalle que l'intervalle parle à quelqu'un, il fait des sacrifices pour être capable de jouer la congrégation, pour être capable de jouer la chrétien, pour être capable d'obéir avec la loi de Dieu. Alors nous voyons que l'Éternel dit que l'Ouest a fait un sacrifice, il connaît qui j'ai qui a servi, il connaît maintenant lieu où tu as servi, il connaît qui j'ai des sacrifices ou faire, parce qu'il y a quelques congrégations, il y a quelques coteaux qui ont servi, bon Dieu, mon cher, réellement, si bon Dieu, pas t'arrêter, vraiment, même si tout a chuté, on voit, mais définitivement, l'Éternel, ouais, sacrifice qu'on fait pour servir, ou prendre, ou s'aider, ou accepter, depuis qu'il n'y a pas affecté, saluer, ou comprendre, ou accepter, l'Éternel dit que, tu comprends, sacrifice qu'on fait. Il y a des gens qui ont plusieurs personnes pour y aller à l'église le matin, son paquet de charges lié, il y a des gens qui ont un caractère supposé aider, ou pas aider, papa pas aider, on prend son grand-mère pas aider, petit pas aider, grand-mère, on prend des bagages, mais c'est pas dans le fond ça, ils font sacrifice quand même, pour être capable de servir bon Dieu. Mais l'Éternel dit en verset 8 dans le psaume 50, c'est pas pour sacrifice ça, qu'il a fait un reproche. Il y a des gens qui baillent en pile, comme tout, on prend. Ceux qui font un pile sacrifice, qui baillent en pile l'argent. Il y a des gens qui ont les palais des holocaustes. Il dit tout le monde qui fait un pile bien, on prend. L'Éternel dit que ça n'est pas pour le bagage saoudite ou la précocher. Parce que grand pile monde qui connaît parce que me fait bien, parce que moi partager avec monde, parce que moi fais bagage, moi fais œuvre, moi baille pauvre, baille ça, moi-même depuis mourir, moi-même depuis l'Éternel pas venu qu'on est là me braler. Et bien c'est pas ça du tout. L'Éternel dit, songez bien, l'Éternel dit que c'est pas pour œuvre yo, c'est pas pour sacrifice yo qu'il a fait le reproche. Sacrifice, ça fait ça, parce que sacrifice yo, œuvre yo qu'on va faire. L'Éternel dit, yo constamment devant moi. Amen. Yo constamment devant moi. Sacrifice, yo qu'on va faire. Verset 8. Yo dit, vous savez, vous voulez faire, yo constamment devant moi, dit l'Éternel. Il dit tout, moi, pas prendre yo dans son pot, dans son possédé, dans la maison, yo, m'pas prendre elle là-dedans, yo. M'pas prendre aucun bête. Vous connaissez longtemps, ça fait l'Éternel, la Bible parle au plus des boucs, des taureaux, des baissaïos. Longtemps richesse, c'est pas longtemps jusqu'où on est là. Vraie richesse, c'est pas l'argent qu'on possède. Vraie richesse, c'est bagaille bien, bagaille qu'on possède. Parce que, raison ça, raison fait ça,
comment bon ka la kounye la ou gen assurance pou li menm et puis yon bagay passé, yon raquette passé en quelconque li détruit, mais ou gen côté di fait passé ou gen côté que ou va récupérer l'argent ça. L'agence ça signifie que même là que en partie à ta perdu c'est vrai, mon côté qu'on capable récupérer. Mais l'agence si est l'agent qu'on gagne en banque, l'agent qu'on gagne là ça. Bah ça il faut pas qu'on peut plus soin. Et nous voir rien de n'importe décret passé là qu'on est là et puis on pas gagne monde qui prend aucun compte en banque, gouvernement confisque toute banque, tout l'argent et puis tout le monde qui était paquet l'argent, on vient pas gagne l'argent parce que gouvernement a besoin l'argent. Alors gouvernement a besoin l'argent. Avec fait richesse longtemps qu'il y a des bonnes contrôles les richesses et quantité en bœuf qu'on gagne, quantité cabrit, quantité cheval, quantité en terrain, c'est comme ça qu'il est occupé. L'Éternel sacré, lorsque l'Éternel t'a parlé, il parlait en ce sens. Mais qu'on est là même avec vous, nous, il y a un carnet banque, il y a un tout bac ça qui existait, bon, nous, de l'autre côté. L'Éternel dit que s'il t'a besoin, il t'apprend, parce que tout à lui-même. Il dit tout ça qu'on gagne, tout son gain, tout c'est lui-même qui gagne possession. Verset 11. Li di m konnen, li di l'Eternel di konnen menm zwazo nan montan yo et tout moun tout sa gen souf kap viv kap viv sou tè a, li tout se pou li menm yo. Ou menm kap fè enteresan yo di a konnen son ou bagay ou ye, lesen dou pa an, se posesyon bon Dieu ye, kounye la, si souf ki nan ou menm nan. Si l'Eternel vle pran apre detwa zè, pa gen moun ki kap pase koto ye a, se pa kouye an bon menm, person moun pa kap pase paske l'Eternel retire souf li a nan menm. Depi l'Eternel retire souf li ba ou a, li te souffle nan la rin ou a, depi l'Eternel retire you done. Ou pa gen an yen anko. Alors, jodi a sou pat konnen mwen di ou apatyen a l'Eternel des armées. Amen. Parce que si ou ap viv, se li menm ki pèmèt ke la vi. Oxygène ou ki genye dan l'air la, ou soti, ou santou bien, ou ap respire, tout bagay, ou santou bien, la reste a ou, se l'Eternel ki ba ou la. E pi se l'Eternel ki ba li, pi nou kapab wè, tout sa ke l'Eternel ba li sfri. Amen. Li ba li fri parce que le soleil la levé sur tout le monde, il levé sur tout le monde, sur petit, il levé sur tout le monde. Parce que verset a été dans Jean dit que Dieu si tellement aimé nous. Amen. Li depuis avant que nous fait, il fait toute bagaille pour nous-mêmes. Amen. Il fait toute bagaille pour nous-mêmes parce que bon Dieu aimé nous. On connaît qui ça que l'homme n'a pour aimer, on connaît qui ça pour nous vivre bien monde, c'est dire rien, c'est maïa. C'est patate là, que chaque monde qui vive les gros bagailles qu'il dirait, mais amen. Allons, bon Dieu, hein? Oh, alléluia. Allons, grand bon Dieu, qui nous a servi là, hein? Allons, grand bon Dieu, qui nous a pas servi là, amen. Son bon Dieu qui est en pile, en compassion. Son bon Dieu, lui-même, gloire à Dieu, qui nous pas qu'à décriver. Et chaque monde qui a parlé, n'a pas gardé pour nous, ouais, Radio Vision Céleste, on t'a dit toute qualité prédicateur, toute prédicatrice, on t'a dit toute prière, pile prière faite, et pour Radio, on t'a dit une parole quand même pour satisfaire. Mais après-midi, ça, en vision la caille prise, on a parlé des reproches que l'Éternel a fait, moi-même avec vous. Le verset 12 dans le psaume 50. Il dit si je suis grand goût, je ne vais pas dire ça. Amen. Amen. Ça fait, l'Éternel dit, s'il te grand goût, il pas d'abdou ça, pour pas comprendre, lorsque on va faire des préparations, lorsque on prend des moments, on met à part, puisque on invite mon nom, pour capable de recevoir, on est capable de comprendre ça, pour comprendre que c'est bon Dieu à manger. Bon Dieu pas, n'a fait mes petits manger, non, courir, à le déposer, dans le carrefour, sous prétexte, la vie de manger. Bon Dieu pas, non, bagage ça. Si on a l'autre côté, on doit acheter toute qualité manger, et puis mettre dans le couille, prendre toute qualité bagaille, nous allons finir par la mettre dans le carrefour, on met couille des mondes ça. C'est pas bon Dieu, parce que bon Dieu n'est pas dans le bagaille comme ça. Bagaille comme ça, c'est vieux Dieu que l'homme prend, que l'homme préféré au lieu des vrais dieux. Le préféré, c'est eux-mêmes qui n'ont démagogie ça. Mais bon Dieu, pas mal, l'idime comme ça dans le psaume 50, le verset 12, l'idime s'il te grand goût, il pas d'abdim ça. Amen. Pour qui ça fait, pas d'abdim ça, il pas jamais quitter l'aïra, il dit parce que le monde. Le monde, c'est pour lui-même lié à tout ça qu'on est dans le monde. Tout c'est pour mon Dieu. Amen. Alléluia. Tout c'est pour mon Dieu.
Tout ça pour bon Dieu. Et bon Dieu fait qu'on est, lui poser question avec nous-mêmes dans le verset 13. Il dit, est-ce que manger la chair des taureaux? Est-ce que ça nous gagne? Est-ce que c'est yo manger? Amen. Est-ce que moi boire sans bouc yo que n'a boire? Amen. Gloire à Dieu. Et puis il dit non, bagage ça yo, pas besoin yo. Alors, pas besoin yo. Mais lorsque nous arrivons dans le verset 14, nous capable boire réellement pour qui ça que l'Éternel a reproché moi avec vous. L'Éternel a reproché moi avec vous pour peut-être que nous pas offrir comme sacrifice, comme tout ça m'était dit ou nous offrir pour sacrifice avec Dieu. Que mon comme nous disons, il a possédé seulement $50. Il fait un grand sacrifice. Il fait pour le travail de Dieu. Parfois, il y a quelques moments qui nous baillent pour le travail de Dieu. Vrai, mais quelques moments nous baillent pour le travail de Dieu. Vrai. Comprendre, ça, c'est un autre cas. Nous sommes capables de retourner sur ça pour nous parler avec vous. C'est littéral. Comme on a quelques dans bien bon Dieu, quelques bagailles, nous dépenser, quelques l'argent que bon Dieu pour nous dépenser. C'est-à-dire, il a demandé nous compte pour lui-même parce que nous dépensons le mal. Nous dépensons le mal. Ça sont longtemps, ça sont études libres, spécialement pour lui-même. L'Éternel, alors, l'Éternel dit, puisqu'il dit nous, tout sacrifice nous fait ça, il nous demande, qu'on a dit, mais dans le verset 14, il dit, mais qui ça pour nous offrir à Dieu comme sacrifice à Dieu? Des actions de grâce. Pour nous offrir à Dieu des actions de grâce. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, si vous ne connaissez pas pour offrir à Dieu, c'est des actions de grâce. Alors, il y a quelques moments, on va aller en pile fois, mon Dieu prend action de grâce à faire un babaco, manger toute qualité, fruits toute qualité, etc. Il y a tout comme ça, il y a offrir à bon Dieu, il y a action de grâce. Parfois, action de grâce, ça, c'est un menti, mon nom est et puis menti à Satan servi avec lui, menti à paraître, les réaliser. On va pas nous dire Satan, on va pas nous dire bon Dieu tout. On va pas dire quelque bagaille qui t'aide à la volonté, bon Dieu, qui est dans cette clé pour nous-mêmes. Et puis nous-mêmes, ou pas qu'attendre, obligé à marcher vite encore, ou à faire mentir là-dedans, il vient réaliser. Mais parce qu'il était déjà dans le plan, bon Dieu, il vient réaliser. Et puis bon Dieu, même, et puis bon Dieu réaliser, et puis il y a mon sadou, ça m'a fait acheter des grâces, et puis acheter des grâces, ça qui ça le fait. Puis tomber, faire manger, toute qualité de manger, faire tout le bagage dans le calabre, préparer, faire tout le bagage. Et puis tout, moi, je m'a offert une action de grâce à Dieu. Laissez-moi dire. Le bon Dieu dit ou qu'on s'est offert à lui-même une action de grâce, ça, son bagage est réellement fait pour nous-mêmes. On va réellement qu'on t'a besoin et on t'a pas de l'autre monde ou t'es invité là-dedans, ou pas de l'autre Dieu ou t'es adressé là-dedans, c'est l'Éternel des armées. Même où t'es dit Seigneur, si vous faites tel bagaille pour moi, moi-même m'a prêté bouche pour me capable louer ou pour me capable faire action de grâce. Mais lorsqu'on dit ou pas l'Éternel action de grâce, nous voulons comprendre ça bien. L'Éternel dit pas besoin de sacrifier constamment devant. Il dit que tout ça qui est bon de la gagne, tout c'est pour lui. S'il t'a besoin, il t'apprend parce que c'est pour lui-même lié. Depuis que c'est pour lui-même, il t'apprend sans mentir. C'est pour lui-même lié, mais il t'apprend parce que c'est pour lui-même lié. Mais il dit pour offrir des actions de grâce, là nous offrir des actions de grâce, il y a un pile de monde qui a pourri pour offrir des actions de grâce. Pour dire, bon Dieu, je fais ça avec moi, je fais ça avec vous, non, pour espérer parce que c'est tellement besoin de bagaille là. Et puis, comment Dieu fait ce bagaille là? Vrai. C'est comme si je me disais, bon Dieu, je ne fais rien. Alors ça, donc on va comprendre, le peuple qui était avant nous, le peuple qui nous vivons là, c'est toujours le même peuple allié. Tout bon Dieu fait, comme on a besoin de bon Dieu fait pour lui-même, et puis comme si on a oublié ça qu'il te dit, bon Dieu. Et bien, pas oublier, les menteurs n'héritent point le royaume de Dieu. En même temps, nous focus plus sur l'adultère. Nous gagnons son oui, focus sur l'adultère parce qu'il est très populaire, vous comprenez, et les adultères aussi, pas rentrer dans le ciel là, vous comprenez. Nous avons accent sur lui-même, c'est vrai pour nous accent sur lui-même, c'est plus facile pour pas adultère, mais quand tu as pour pas dire, pour pas accomplir ça, on dit, ah, ça, même, les fois difficiles, les réseaux qui font difficile, c'est parce qu'on pas même songer, mais on voit l'importance qu'on doit aller. Nous connaissons, si tu n'as pas l'importance qu'elle a gagné, on t'a fait le vrai. On a des gens qui disent que c'est yes ou fait tel bagage, c'est yes ou fait, l'Éternel Dieu, je vais faire une mission, souffert l'Éternel Dieu, je vais prier du monde pour me faire, pour me voir, souffert l'Éternel Dieu, je vais raconter qu'il a fait. Puis, coup de la fête, on fait silence, ou bien on dit l'autre année. Mais on songeait bien, l'autre après rendez-vous à l'Éternel, on va pas dire souffert moins, après un an, on va faire ça.
souffert pour moi après 2 ans, ma boisson de grâce. Souffert pour moi après 3 ans, ou bien souffert pour moi, m'a tant de moins gué là, pour me faire. Ou dit, s'il fait, m'a fait. Souffert ça, moi, m'a fait. Je dis comme ça que ça, c'était comme ça, peuple à vivre. Et puis l'Éternel reproché, alléluia, les avancer. Et bien, l'Éternel reproché, je dis comme ça, m'reproché, non, parce que pour offrir à moi-même, ça nous faisait des actions de grâce. Plein, faire un bagage pour moi-même, c'est pour dire ça que moi fais pour moi-même. Et puis l'autre dit, on va faire tout, dans le même verset 14, il dit, c'est pour accomplir ce qu'on fait avec le Très-Haut, le Dieu Tout-Puissant. Accomplir. Et bien, on dit, maintenant, je vais d'amour. Ça fait bien aimé, on va servir mon Dieu, on va servir mon Dieu. Fait un pile effort et faut faire un pile, faut train un pile. On va faire un pile répétition sur ça. L'autre dit, on va faire un bagage pour faire. Parce que, bon Dieu, mais fais attention dans ça qu'on ne peut pas penser qu'il t'a fait attention de lui-même. Chrétien, c'est sacré les chrétiens. Chrétien, c'est monde qui obéit avec commandement bon Dieu. Bon Dieu dit pas voler, pas mentir, pas parler monde mal. Tout ça, bon Dieu dit pas faire yo. Yo, ou même c'est ça chrétien, chrétien c'est monde qui a marché avec commandement bon Dieu. Yo. C'est pas monde qui a prié sans cesse. C'est vrai, l'Éternel dit prier sans cesse. Mais regardez dans la Bible, regardez dans la parole de Dieu, nous voyons tout le monde qui est agréable devant mon Dieu, c'est monde qui observe les commandements de Dieu. Alors, on a prié depuis aujourd'hui, arrivé jusqu'à ce que Jésus-Christ retourne. De ne pas faire cas avec la parole de Dieu, ou c'est un monde qui est un paille devant l'ennemi. Parce que le monde, Satan, Père, c'est le monde qui mettait la parole de Dieu en application. Période. Pas qu'il a fait gros ceci, pas qu'il a fait gros cela, pas qu'il a fait gros chef, pas qu'il a fait petit chef. Pas qu'à faire gros femme, pas qu'à faire petite femme, pas qu'à faire moun qui met caille, moun qui est avec moun, pas qu'à faire comme ça, dit tout. A chaque fait, apôtre Pierre, jour l'apôtre Pierre, on dit en vérité, nous connaissons que dans toute nation, dans toute race, moun qui fait bon Dieu plaisir, c'est moun qui obéit avec commandement bon Dieu. Alors, le reproche ça qu'a fait là, la fête spécialement avec vous-même, moun qui obéit avec commandement bon Dieu. Moun qui a fait effort pour obéir avec commandement bon Dieu. Pas comprendre ce rythme qu'on va faire. Il est bon parce que bon Dieu dit pour faire autour. C'est vrai, pour la prière, faut prier, faut gêner, faut adorer, faut faire tout le c'est vrai. Mais pas oublier, nous dit que bagage ça va pas souquer le royaume diable. Ça souquer le royaume diable, c'est là où prend disposition qu'on est là pour mettre la parole de Dieu en application. Ah! Béni. Qu'on est là prêt pour demander moi-même, est-ce que mettez-le? Si mettez le bon Dieu m'en connaît, si m'pas mettez le bon Dieu m'en connaît, si on mettez le bon Dieu la connaît, si on pas mettez le bon Dieu la connaît, parce que gon bagay qui rivait, c'est pas vous-même qui pourra le porter jugement contre moi-même, c'est maintenant même qui te bon commandement le connaît pour prier pour marcher avec lui. Alors sous besoin souke royaume Satan, sous besoin Satan couille vous-même la loi, commencez depuis qu'on est là à mettre la parole de Dieu en application. Parce que pour mettre la parole de l'application, c'est pas loin parler de bon Dieu, c'est chanter, chanter de bon Dieu, c'est pas grave parler de bon Dieu. Qui est même Satan, le diable, lui-même connaît qu'il est Jésus-Christ. Jésus-Christ paraît, il dit, oh Jésus, petit bon Dieu, vous venez pour faire mal avant homme, avant l'homme. Ça veut dire qu'il connaît le grand là. Il connaît le grand là. Depuis le connaît. Alors pas qu'à compte bon Dieu, parce que Satan, pas Satan, c'était ange déchiré, qui était dans le ciel, qui t'a pas bon Dieu, qui t'a pas donné bon Dieu, qui t'a avec bon Dieu déjà. Alors moi-même, avec vous, qui peut arriver contre bon Dieu, n'a pas donné pas la foi, mais moi-même, j'étais là ensemble avec lui, je connais qui est bon Dieu. Amen. Je viens de désobéir. Désobéissance, c'est là que vous quittez sa bonté de Dieu, c'est pas lui, vous faites faire de la vie, bon Dieu précipité. Et la bonté précipité sur la terre, je dis que, puisque nous ne pouvons pas arriver là encore pour nous, mais si là, vous êtes sur la terre, nous pourrons le persécuter. Et ça fait Jésus-Christ est obligé de venir pour devenir bon pour moi, ça a eu sous tête par Satan le diable. Mais pour voir ça, le bon nous, c'est parole lui. Il dit que si nous obéissons à la parole là, si nous faisons ça qu'elle dit nous faire, nous mettons nous-mêmes, nous avons le pouvoir pour nous demander ça qu'elle nous voulait. Vous avez un qui n'a pas prié? Comment prier? Parce
que pour prier, faut faire ça, bon Dieu dit fait. Prier, c'est pas prononcer les belles paroles. Il y a des gens qui ont pile belles paroles, pile belles langages. Mais c'est pas ça que la prière. La Bible dit la prière fervente des justes à une grande efficacité. C'est vrai, la prière fervente des justes à une grande efficacité. Jésus dit, si que nous faisons ça qu'il dit nous faire, nous-mêmes nous demandons ça que nous voulons. Mais pour condition là, c'est si nous faisons ça, mon Dieu dit faire. Pour demander moi-même ça voulait. Ah, on fait attention, oui, dans prière, 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 prière pour moi, prier pour moi, prier pour moi, prier pour moi. Nous prendre prière. Est-ce qu'on connaît le cas prier pour moi? Ah, est-ce qu'on connaît ce monde qui a obéi avec la loi de Dieu, qui avait forcé pour le marcher avec mon Dieu? Parce que il y a quelques prières qui ont demandé plutôt tard, mon cher parle pour moi plutôt. Parce que qui quelque monde l'a fait prier avec vous, l'a salement de bon Dieu pour même dans l'air, bon Dieu fait, qu'on est là, il t'a voulu pour elle, si son fils garçon pour elle le papa, si son filier pour elle le maman, non bon Dieu pas gagné papa, pas gagné maman. Parce que tout ça que fait c'est l'éternel qui fait. C'est dans l'autre partie à qui n'est pas, pas gagné maman, maman est tel, papa est tel. Pas gagné pareil comme ça dans l'évangile, c'est frère et soeur. Gagné dans l'évangile. Amen. Mais en pile fois, là, mon enfant prie pour nous, c'est pour prier pour un tel, oui, fait tel comme ça, et tel a fait grandir, c'est comme ça. Mes amis, qui sont bien aimé? C'est seulement une paille, une fatra, que mon Dieu fait grâce. Dit qu'il y a que mon Dieu attendait. Mais avant, on a prié tout le monde, mon Dieu attendait, mais est-ce qu'on obéit avec la loi de Dieu? Est-ce qu'on suspend parler mon mal? Est-ce qu'on suspend garder mon mal? Est-ce qu'on suspend, ouais, quelque bagaille qui vient pour ta faire, est-ce qu'on fait, yo? M'badi ou pas fait, non? Et une question qui m'a posé, même j'en étais là poser question, à reprocher, peuple, là, à reprocher, nous, ici. Cap dit qu'on s'est reproché, nous, parce que, par contre, qui s'approprie. Et ça fait que, dans le psaume 116, le verset 12, David dit comme ça, il aime la louer, bon Dieu, ça pour le bail, bon Dieu, pour tout bien faire que bon Dieu fait, yo, il a pour vous coupe de livrance, lia. Coupe de livrance, là, c'est ça bon Dieu fait pour même, non. Ouvrir devant peuple, lia. Ouvrir pour devant tout le monde. Mais qui ça bon Dieu fait pour moi? Vin, ouais. Donc, moi-même, que bon Dieu fait ma vie depuis l'année 96, moitié dans le fermé, et maintenant, je suis gère pour moi louer bon Dieu, parce que pour un homme à moitié cœur, et deux ans de cela, docteur dit que froid m'a attaqué. L'hiver attaqué, malgré ça, je ne me pas senti rien. Je suis un homme qui est en santé pour moi-même. Maintenant, je vais louer mon Dieu. Mais coupe de livre ça, m'ouvrir devant. Ou même quand je souffre, qu'on est là. N'importe quel problème, vous pouvez pour mourir, mais ça fait pour mourir. Apôtre Paul dit que ça, je me presse les deux côtés. Soit que pour m'aller, je m'arrive avec mon Dieu, parce que qui t'a meilleur pour moi-même. Qui est-ce que tu as meilleur si je communion avec mon Dieu, si je marche avec la parole de Dieu, si je obéi avec le commandement de mon Dieu, et puis mon Dieu t'apparaît, mon Dieu t'apprend, il témoigne pour même bon et fidèle serviteur. À la contente, tu as content. Mais nous t'as remérité tout, parce que pendant que j'étais là, quand j'ai un micro là, on m'a parlé. Qui compte m'a parlé là, même si 50 monde pas prend, mais bon monde quand même là qui attendait, bon monde quand même là qui fait attention, bon monde quand même là qui est dans condition ça, et pas dit qui est non, qui est dans condition ça, parce que mon Dieu, par exemple, vous avez parole, il s'en raison. C'est pas que vous avez préparé avant de venir là. Son parole que l'Éternel m'a mis pendant que le prédicateur n'a pas venu là. Alors, s'il vous prend, s'il va pour vous, quittez là, je m'a passé, je vais me mettre dans le portement, je vais la caméra avec lui. Parce que ça est parole pam, noisette. Est-ce que vous obéissez avec le commandement, mon Dieu? Ah, ça c'est moi-même seul, ah, le Seigneur, qui connaît. Et verset 15 dit, invoquez-moi au jour de la détresse. Puisque vous comprenez, vous offrez tout sacrifice, action de grâce, vous m'avez invoqué lors de la détresse, et moi je m'ai délivré et vous m'avez glorifié. Non. Que mon Dieu bénisse, mon Dieu fort grâce. Vise la caille pour bonsoir. Hello? Allô, bonsoir. Hi, can I speak to the person with... Yeah, comprends, so, capable de comprendre bagay sa yo, on dit capable de faire grâce, on dit capable de fortifier yo, c'est lorsqu'on fin fait ça, bon Dieu, Dieu fait, et puis qu'on y a l'on capable de voquer l'on a problème yo. Bon, bagay nan kou nan problème, c'est les sorsons yige, mon Dieu. C'est kou bagay la mare, c'est les sorsons yige, mon Dieu, c'est bien, ou sorsons yige, mon Dieu, parce que quelque clair, bon Dieu, qu'on crée des événements, tout pour nous capable de glorifier. Oui, bon Dieu fait ça.
En même fois, lorsque bagaille a marché mal, vous comprenez, c'est Satan. Non, Satan n'a rien pour voir sur toute bagaille. Il y a pour voir sur ça que bon Dieu va mettre, il y a pour voir. C'est bon Dieu qui a tout pour voir. Alléluia. Et c'est ça que fait, côté nous t'es lié avec vous, il dit prenez garde. Ou même qui oubliez mon Dieu. Ou même qui oubliez mon Dieu, prenez garde. Parce que oubliez qui sortait de mon Dieu. Les bon Dieu oublié, oubliez qui sortait d'île, ou faire, ou pas faire. Il vous prend garde. Pour qu'il s'en garde, pour qu'il ne pas déchirer sans qu'il n'y ait personne qui a délivré. Bien, mais surtout en bas de l'éternel, il n'y a personne qui a délivré. Mais, il y a compassion, sans crier à lui-même, alléluia, gloire à Dieu. Parce qu'il y a un proverbe créole qui dit, mon chien, pas mort depuis le lit. On connaît donc la vie, on conscient bien. Mais on dit même, l'eau est la mort depuis petite, l'eau est la mort des liens, mais il ne donne pas jamais entrer net vrai. Il m'a dit, il fait crier, mais il ne pas jamais entrer net vrai. Alors, son proverbe pas nous, qui est un. Amen. Et puis verset 23, il dit, monde qui offre pour sacrifice des actions de grâce, glorifie bon Dieu. C'est bon Dieu qui ça. Monde qui offre pour sacrifice des actions de grâce, glorifie bon Dieu. Mais l'on entre dans le temple là. C'est pour entrer pour louer l'éternel. Ou pas entrer dans le temple là pour le garder, monde pour louer, monde pour faire connaissance à monde. Entrer dans le temple là pour louer l'éternel. Parce qu'après tant de labeur, côté de l'éternel, ou pas une façon semaine. Qu'on est là, l'éternel permet de rentrer dans le temple là qu'on est là, c'est pour louer bon Dieu. Amen. C'est pour louer bon Dieu. Et puis, il dit, c'est ça, il dit, au fruit de sa sacrifice de grâce. Il dit, et à celui qui veille sur sa voie, à monde qui veille, j'ai à marcher. À monde qui veille, j'ai à vivre. C'est pas monde qui a vivre n'importe qui, j'ai à faire l'argent ou n'importe comment. Depuis, je ne sais l'argent, il a fait, pas de problème, pas de Jésus. Il apprend Jésus après. Depuis, c'est pour gloire, pas de problème. Il apprend après. Il n'a pas besoin de connaître. Ils bousculent, ils jouent, ils font tout ça, ils veulent, on met perdu, depuis c'est pour gloire, pas de problème, c'est eux-mêmes à gouverner, tu as qu'à faire. Ah, l'Éternel dit, et à celui qui veille sur sa voie, est-ce qu'on veille dans son affaire, on veille sous ses mots affaires. Et puis il y a une promesse pour même. Il dit, je ferai voir le salut de Dieu. Amen. Je, ici. Bon Dieu, celle qui a parlé comme ça. Et bien, elle a passé sur nous-mêmes réellement. Mais elle a regardé si nous t'apprenons Miché, le chapitre 6. On va parler de l'Ouvine Lille, ou même le Miché, chapitre 6. Gloire à Dieu, le verset 6 à 8. Miché parlait. Parlait lorsque le peuple-là, pas connaît qui ça pour faire. L'opinion Miché, il dit le peuple a demandé à qui ça pour le présenter devant l'Éternel. Pour l'humilier devant bon Dieu et dire, oh, à qui ça pour humilier, à qui ça pour présenter, comment pour faire présenter Holocauste avec Bethlehem devant l'Éternel, Michel, chapitre 6, verset 7 à 8. 6 à 8. Michel dit, on t'a fait faut connaître, oh, homme, ça qui bien je dis, est-ce que l'Éternel mandait ou même pour pratiquer, est-ce que l'Éternel mandait ou même ça qu'on va cabaler? Ça que l'Éternel demande, c'est pour pratiquer la justice. Et que vous remet miséricorde. Et que vous marchez humblement avec bon Dieu. C'est ça que l'Éternel demande, je dis à vous présenter à lui-même. Aime la justice. Alléluia. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Et que tu aimes la miséricorde. Et que tu marches humblement avec ton Dieu. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu fortifie. Que bon Dieu fasse.